Je suis désolée, la vidéo sera en deux fois, il y a eu un petit problème technique. Donc, on va relire la phrase en capital ensemble en pointant chaque mot avec votre doigt. Demain, nous serons samedi 30 mai 2020. Nous allons écrire cette phrase en écriture cursive, en attaché. Donc, hier, nous avons parlé des propriétés de la phrase. Vous pouvez les rappeler, vous mettez pause et vous me dites ce qu'il y a dans une phrase et comment je peux la repérer. On va commencer tout de suite par l'écriture du mot demain. Je vais faire le D majuscule, une grande verticale et un gros ventre. Je fais ma petite boucle pour le E, mes trois ponts pour le M. Je lève mon crayon pour le A, il s'agit d'une ronde. Je fais ma ronde et je fais ma petite étrécie pour le I et deux ponts pour le N. Mon mot est terminé. Excusez-moi, je fais une mise au point. Voilà. Je peux faire mon point sur le I. Je vais faire ma virgule, une courbe à l'envers, la gauche. On écrit le mot suivant. Relisons pour le trouver. Demain, nous. Deux ponts pour le N, je lève mon crayon, je fais ma ronde qui vient toucher mon N, je la ferme avec une casquette ensuite. Je descends une fois, j'ai ma première étrécie, je refais une autre étrécie, j'ai mon U. Je remonte en étrécie et je ferme mon petit ventre, voici le S. J'ai écrit le mot nous. Demain, nous serons. Je monte en étrécie, je ferme mon petit ventre, je reviens pour faire ma petite boucle. Je monte en étrécie, je fais une horizontale, je redescends pour le R. Je lève mon crayon, je vais venir faire ma ronde du haut qui vient toucher le R. Je le ferme, je fais ma casquette, je descends une fois. J'ai mon premier pont du M, je remonte et je redescends. Voici mon N terminé. Je monte en étrécie et je fais un petit ventre, j'ai terminé mon S. Demain, nous serons. Il s'agit du mot seront. Mot suivant, samedi. Je n'ai pas assez de place pour écrire samedi, je me mets à gauche. D'abord le S, je fais une petite étrécie, je ferme mon petit ventre, je reviens pour faire mon A. Je fais ma ronde qui vient toucher la main de mon S, je ferme mon étrécie, je fais trois ponts pour le M. Je tourne pour le E, je lève mon crayon car je vais faire une ronde qui va venir toucher mon E. Je ferme ma ronde avec une grande étrécie, je redescends et je fais ma petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je fais mon point sur le I. Demain, nous serons samedi. Samedi 30. 3. Deux coquilles d'œufs à l'envers et une ronde. Le 0. Mot suivant. Demain, nous serons samedi 30. Mais, je connais mon M. 3 ponts pour le M. Je lève mon crayon pour la ronde du A. Je trace le A qui vient toucher le M. Je la ferme. Je ferme ma ronde en étrécie. Je fais une petite étrécie pour le I. Voici le mois de mai. Le mot mai est de l'année 2020. 2-0. 0. Mon mot est terminé, je fais un point à la fin de la phrase. Nous allons relire ensemble. Demain, nous serons samedi 30 mai 2020. Je te retrouve tout de suite pour une autre vidéo ou une classe virtuelle. À bientôt.